Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Si on est dans le bois des Cales, hein, on n'est pas très loin du bois de Champel qui est là derrière, on n'est pas très loin du bois de Saint-Léger qui est là un peu plus loin. Alors ce que je vous propose de faire, c'est une simple balade tranquille. Il y a un circuit ici un peu plus loin, on va prendre un tout petit bout de route, et on prendra un long chemin à gauche, un chemin empierré qui va vous faire traverser un peu le massif ici, c'est le triage de Jean-Louis François, c'est le bois des Cales. On arrivera au-dessus de Buznol et on reviendra par la route, voilà. C'est un beau petit circuit, tranquille, pas de difficulté, une petite côte, mais rien de grave. Je ne vais pas vous raser, je ne ferai pas de commentaires, parce que bon, j'ai déjà fait plusieurs marches forestières avec la plupart d'entre vous, donc c'est pas la peine que je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, si vous avez des questions, de quelque ordre que ce soit, en tout cas au niveau nature et forêt, n'hésitez pas, je serai de toute façon dans la balade, donc venez m'accoster et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Pour autant que je sache y répondre, bien entendu. Voilà, bonne balade à tous. Et alors, si vous vous demandez à quoi sert la pile de bois là, c'est pas du bois de chauffage, hein, c'est du bois qui part à la cellulose. Donc, quand on exploite une forêt, les bois d'œuvre servent pour les scieries. Hein, vous en avez vu le long du chemin qui était stocké, essentiellement les chênes, mais elles sont déjà parties. Et avec les houppiers, soit on les revend en bois de chauffage, mais plus régulièrement, comme ici, on regorge de bois de chauffage, ici en tout cas sur Étal, ben, les houppiers sont réservés pour le marchand. Il en fait des morceaux de 2 mètres et ça part à la cellulose pour faire de la pâte à papier. Voilà. Je ne voulais pas prendre la route parce qu'on aurait été un peu tôt. Ah, maintenant, c'est riche. Oui, c'est pas tout agréable.
Alors, elle a eu 37.